Yo les gays, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui, ça fait un petit moment qu'on l'a pas fait, on se retrouve pour l'ouverture d'une collection. Je vois le colis, il est juste ici. J'ai trop hâte de vous le présenter. Il y a quelques temps sur les réseaux sociaux, j'ai posé un message disant que on cherchait à racheter des cartes, des lots, etc. Je rappelle que, d'ailleurs je ferai sûrement une vidéo dans pas très longtemps, ça fait bientôt un an que je me suis lancé en tant que vendeur professionnel sur Karen Market. J'en profite pour vous remercier au passage parce que mine de rien, cette aventure-là, YouTube et l'activité professionnelle de vendeur de cartes, elle existe grâce à vous. Vous êtes nombreux à passer par mon Card Market parce que c'est moi, tout simplement, et ça me fait extrêmement plaisir. Je vous en suis énormément reconnaissant. Je ferai une vidéo dédiée à, je sais pas encore comment je vais l'appeler, mais tu sais, un an dans la peau d'un vendeur Card Market ou quelque chose comme ça. Parce que il y a des hauts, il y a des bas, il y a beaucoup de hauts, heureusement, mais il y a eu des bas également, et je trouve ça cool de partager ça avec vous. Pour revenir à ce que je disais juste en intro, eh bien, j'ai mis un message il y a pas très longtemps en disant qu'on achetait des collections, on en a acheté plein, et aujourd'hui j'en ai acheté une que j'ai mis un petit peu de temps à recevoir, etc. Parce que les messages mettaient beaucoup de temps à tu sais, le temps que lui réponde, que moi je réponde. Mais elle est cool pour plein de raisons, et notamment une, c'est qu'il y a pas mal d'US, et vous savez à quel point j'adore les US, donc c'est le genre de collection qui me font extrêmement plaisir. Il n'y avait pas énormément de choses dans la collection, il y a 3 deck box, 2 binders et des communes, mais les binders sont très cool, et voilà, j'espère que ça vous plaira. Pour ceux qui sont intéressés, qui me découvrent peut-être à travers cette vidéo-là, sachez que bah, vous pouvez éventuellement me proposer vos collections si jamais vous souhaitez vous séparer d'une partie. Alors, je rachète pas toute votre collection pour que vous arrêtiez de jouer, mais parfois, vous savez, on ouvre des displays et tout, il y a même les lots de communes, bah, ça m'intéresse également. Donc l'adresse s'affiche juste ici, n'hésitez pas à simplement envoyer un petit mail, ça sera avec grand plaisir, je vous réponds, on se met d'accord ou on se met pas d'accord, dans tous les cas c'est des échanges et ça n'engage à rien, et bah moi ça fera plaisir d'échanger avec vous si jamais ça vous intéresse. Voilà, je vous embête pas plus, comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, le pouce, l'abonnement, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, dites-moi s'il y a une carte ou qui vous fait plus plaisir que l'autre. Moi personnellement, il y a un playset de cartes qui m'intéresse énormément à l'intérieur de cette collection. J'ai beaucoup trop hâte de l'ouvrir pour le découvrir. Parce que oui, j'ai sorti toutes les cartes, mais comme d'habitude, je joue le jeu. Et certains peut-être que pensent que c'est faux, mais c'est pas faux, hein, c'est la réalité. Je ne check pas ce qu'il y a à l'intérieur avant, je découvre avec vous. Un petit peu dans l'idée de. Bah c'est la surprise, tu vois. S'il y a des trucs en plus, c'est trop cool. S'il y a des trucs en moins, ça nous est déjà arrivé en vidéo. Et ben, on le découvre ensemble et on est là genre. Non. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Comme d'habitude, le pouce, l'abonnement. Et c'est parti, on découvre cette collection ensemble. Bon, et ben c'est parti pour le déballage de cette collection. On commence par le tapis. Ça fait partie des tapis qu'il y avait dans la collection. Celui-là, il est incroyable. Il est vraiment très joli. Les joueurs soldats du lustre noir en sueur. Il y avait également celui-là qui est un peu moins cool, mais qui reste cool parce que Dark Fluid est un monstre très puissant. Je vous propose, il y a un classeur qui semble abîmé et un peu vieux. Je vous propose qu'on commence par checker ça. Il y a des cartes. On croise pas souvent les alliés de justice, mine de rien, elles sont pas régulières. Pareil, ça c'est du Drève. Drève, c'est quand même assez vieux. Elle existe en ulti, elle, je crois. Pas sleeve, mais bon, c'est pas très grave non plus. Là, on a juste une sleeve. Ouais, on a juste une sleeve. Ici, on a du DR2, ce qui est plutôt cool. Du Cyberdragon. Et là, je sens les joueurs Cyberdragon vont faire un petit AVC. Elles sont éclatées. Bon, ça faisait sûrement partie. Il m'a dit il y a des cartes qui sont trop abîmées, elles font pas partie de l'estimation et tout. Celle-là est très claire, mais c'est pas une US. Bon, ça ressemble à un vieux binder. C'est genre, c'est des cartes qui partent au fur et à mesure du temps. Ça c'est plutôt cool. C'est du HL, donc Hobby League. C'est en gros ce qu'il y avait avant les OTS. Et c'est des cartes qui avaient cet effet-là. Et je crois de mémoire qu'elles sont interdites en tournoi parce qu'elles sont plus épaisses ou plus lourdes, quelque chose comme ça. Ce qui fait que, bah, par exemple, tu as des staples genre Renfort de l'armée ou Monster Reborn. Bah, ça serait abusé de pouvoir trier son deck et de les mettre devant, tu vois. On a un petit Loki, Dieu des As, en store. Alors c'est cool parce que c'est le store, c'est la vieille carte, quoi, tout simplement. Ici on a des Vortex, le tourbillon. Je crois que j'avais vu cette carte-là dans une sorte de FTK. Il me semble, genre j'ai un vieux souvenir. Ici on a du LON en anglais. Bah, enfin, son LON c'est forcément de l'anglais, mais retour de carte sain et sauf. C'est une bonne carte, mais non, c'est pas banni pour rien. Et c'est terminé pour ce premier classeur. Je savais qu'il n'était pas. Enfin, tu sais, il avait l'air pas ouf à première vue, donc je ne m'attendais pas à grand chose. On va commencer par. Alors, juste, il y a les classeurs, il y a ça aussi. Ça a l'air d'être des lots de communes qui étaient empilés, et ça m'a fait rire parce que c'est des chouchous. Le gars a volé les chouchous de sa sœur. Rends les chouchous à ta sœur, bordel. Elle les cherche, là, c'est sûr. Bon, on va essayer, on checkera ça rapidement. Là, on va checker ça. Donc, ça, c'est de l'US, c'est une très bonne chose. Fissure dimensionnelle, je suis pas certain que c'est de l'US, mais en tout cas, c'est du LCGX. Donc, c'est forcément de l'anglais, mais ça peut potentiellement être de l'US. Ça, c'est du scellé qui est toujours sympa. Il y a beaucoup de cartes qui sont en paquet. C'est-à-dire que tu vois, là, par exemple, j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs. Non, il y en a une seule, en fait. Bah, je sais pas pourquoi, ça me paraissait un peu plus épais. Je sais pas pourquoi. Ah, tu vois, là par exemple, ça me paraît plus épais.
Voilà, là il y en a deux, tu vois. Et il y a plein de paquets où il y a plusieurs fois la même carte. Pouvoir des gardiens, rotation de plateau. Bon, il n'y avait rien de foufou, mine de rien, dans ce paquet-là. Les instants de fusion, elles sont même pas en US, ni l'une ni l'autre. Donc, bon, rien de foufou dans ce premier paquet. On va checker la deuxième deck box. On se fera un petit paquet de communes juste après. Summon Limit, c'est toujours cool. Parfum Anti-Magie. Bon, c'est les Dudes, mais ça reste toujours une carte forte. Hein. Les joueurs SS, ils aiment pas beaucoup cette carte-là. Ça, c'est de l'US. C'est quasiment sûr. Ah non, pas du tout. Putain, mais c'est ouf. On dirait vraiment de l'US. Force Mirror de la Noyade, c'est une très bonne carte. Combat en présence de l'Ampleur. Ah, ça, c'est joli. Du Dusa. Il y en a un seul, malheureusement. Mais Solo Morning en Dusa, elle est très jolie, cette carte-là, mine de rien. Bon, ça, c'est pas mal de petits staples, entre guillemets, de cartes. Ça, par exemple, c'est sûr que c'est de l'US. Armory Call, l'appel de l'arme. Mais le playset est trop joli, mine de rien. Zone de Dimension, qui est une carte infâme. Je déteste cette carte-là. Parce que je perds très souvent quand quelqu'un l'active contre moi. La Trappe Perfide en Secret Rare, elle est jolie. Hein. Franchement, elle est plutôt jolie. J'avoue qu'il y a une partie des cartes que je connais, et puis il m'a dit, bon ben voilà, je te rajoute ça, on arrondit le prix, et voilà, Titan Insider, je trouve que c'est une... Oh putain, elle a mangé ses grands morts. Guette ça sur le côté. Oh, je sais pas ce qui s'est passé avec cette carte-là, t'as voulu gratter, t'as cru que c'était un euro million, ou ça se passe comment? Elle est défoncée dans l'état, elle est invendable. Putain, c'est bien dommage. Bon, on va se checker un petit paquet. Tiens, on va s'en prendre 3. 3 avec tous des. Alors, ce qui est cool, c'est que c'est pas des élastiques qui agressent, mais bon, ça reste des élastiques quoi. Alors, je sais pas trop à quoi m'attendre dans ces paquets là. Il m'a dit c'est un petit peu random, mais j'avais pas l'impression. Bon, voilà, c'est LD6. Je crois qu'elle est pas trop mal cette carte là. Il y a un peu de tout. Il y a de la rareté du coup. Je m'attendais pas beaucoup à la rareté, mais il y a un peu de tout. Et je vais pas m'attarder trop là-dessus, très honnêtement. Parce que je sais que ça fait partie des trucs qui vous intéressent pas énormément. Et pourquoi vous faire chier avec un truc qui vous intéresse pas si on peut faire des trucs qui vous intéressent, tu vois. Alors ça, c'est une super commune, tu vois. Par exemple, ça, c'est une commune à 4-5 euros. Donc bah, c'est le genre de commune, t'es content de tomber dessus. Je vais remettre les élastiques parce que finalement, ils agressent pas trop. Mais bon, ça reste les élastiques de ta sœur, tu vois. Donc c'est pas... Ça, c'est des bonnes cartes, tu vois. Ça, c'est des très bonnes cartes. Orcus, meilleur deck. Je le dis, je le répète. J'ai fait un deck profile il y a pas longtemps. Allez le checker, je vous le mets là-haut. Ça aussi, c'est fort, mine de rien. C'est du Duov, mais ça reste plutôt cool. Pancra, toujours aussi fort, en MP19. Bon, ces paquets-là sont pas foufous. Je vous avoue que je m'attends à rien, de toute façon, là-dedans. Il m'a dit qu'il fallait pas que je m'attende à quelque chose. Après, je suis content, là, déjà, on a trouvé le retour du Grand Dragon, qui est une carte. Les joueurs Blue Eyes, hein, vous nous mettez bien. Franchement, cette carte-là, elle est toujours utilisable, toujours vendable. On va checker cette petite boîte, puis après on se fera le classeur. Je pense pas que la vidéo sera très longue, et en même temps je trouve ça plutôt cool qu'elle soit pas très longue, parce que ça vous évite de vous saouler, tout simplement. Petit maître des crânes, excellente commune, un pancra en anglais, ou en US, l'anglais ça. Ah, elle me paraît claire quand même. Elle me paraît claire, j'ai un petit doute, on verra ça après. Démon Valenté, Lancia, Golem... Un bête cristalline Pégase qui est très joli, un cuirassier ferroviaire qui est scellé, un jeton primitif, ça, les joueurs SS ils adorent ce token là, ils le jouent tout le temps, c'est incroyable. Genre vraiment c'est rare que tu vois un joueur SS qui n'a pas le token officiel des Sky Striker quoi. Ah, le performage trick clown en BLRR, ça doit être ça, BLR ou BLRR, BLRR, et en US surtout, il est très très joli. Bon, vous savez que j'adore les US, j'adore les secrets US, alors quand je trouve des cartes comme ça, ça me fait plaisir. Gamciel, c'est un très bon kaiju, encore des maîtres des crânes, et tu vois là c'est pareil, j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs. Enfin, il y en a deux, plus celui qui est devant, ça fait un playset. Très bon playset à récupérer, il est sorti il n'y a pas trop longtemps en rare, faut le choper, ouais, vraiment faut le choper. DLNCA, c'est du dragon très fort, Zeke, qui est chiant aussi, puis la petite Ita. Bon, rien de transcendant dans ces paquets. On a vu des trucs cool, mais rien de qui fait faire genre waouh, tu vois. J'ai la batterie qui clignote sur l'appareil. Ça, c'est cool. J'ai la batterie qui clignote sur l'appareil photo. Ça me tend. La Chimera Ville, très bonne target super popo. Ça aussi, c'est une bonne target super popo, mine de rien. Il y a beaucoup de targets super popo. Les Entes, toujours une bonne carte. Winda en secret. Le Bagushka, très bonne carte. Kobo Gagaga, je vous déteste, les joueurs Kobo Gagaga. Petit VFD, il reviendra un jour. Oh putain, mais il y a plein de VFD en fait. Le Pégase qui est une très bonne carte. Oh, le Trishula. Le Trishula en US. Il est très joli. Je crois que j'en ai un en secret, donc l'US m'intéresse moins. Mais en vrai, il pourrait très bien aller dans mon petit deck
Barrière de glace. Je vous avais fait le deck profile d'ailleurs du barrière de glace. Et en vrai, je l'ai pas trop changé depuis. Je crois que j'ai rajouté quand même quelques Marine 16 dans l'extra deck. Mais c'était pas transcendant. Voilà. Est-ce que ça va? Tu vois, genre triple Anaconda et un Dragoon. Donc c'est une très très bonne première page. Playset Devonly Match en secret. Deux prisons du dragon. Trois infinités. Oh, je viens d'éclater le classeur. Bon, de toute façon, il était déjà abîmé. Mais trois infinités éphémères. Et ici, bon, on a les extravagances en secret, les plus que tout gouverneurs en secret. Mais surtout ça, les joueurs Salah, là, je sais que vous avez la petite goutte sur le front. Guettez-moi cette beauté, putain. Oh, ils sont incroyables. Je suis trop content de ces cartes-là. Elles sont trop belles. Ça fait trop longtemps que je les veux. Je ne joue pas un gros joueur de Desire, mais quand je peux récupérer les cartes en secret, je le fais. Et là, en l'occurrence, ça va aller directement dans mes decks. Les deux Lightning Storm, c'est dommage parce qu'ils ont été reprises, mais en secret, c'est toujours très cool. Beaucoup d'US, bah que des US en fait. Beaucoup d'US, c'est très beau. Voilà, je suis satisfait de cette page là. 3 Nibiru en secret US, c'est très cool. 3 Crodidi en RIMP US, c'est très cool. Les 3 Winged of Ra, Winged Dragon of Ra, la Sphere Mode, ils sont en US, c'est cool. Les Luna en US, c'est trop bien. Les Veiler et surtout les Droll Unlock Burn en OP01 US. Cette carte là, ça vaut une petite fortune à elle toute seule. Hein. Le playset, il vaut un joli prix. Trop d'US, trop beau. Les Snow Rabbit qui sont juste ici, les Lilith qui sont juste ici, les Vanity et les Majesty qui sont également en US. Red Raptor, l'ultime faucon, très très belle carte qui va avec Waking the Dragon. Ici, ben, ça c'est deux cartes qui vont aller dans. C'est deux cartes qui vont aller dans Crust, hein, parce que du coup je les joue en super, mais pourquoi pas les jouer en super US, clairement. Ils sont ultra BG tous les deux, putain. Ici on a des Kaiju en US, ici on a le petit Lancelot en US. On a un autre Red Eyes en US qui est très très beau également. J'en ai déjà un pour moi, mais lui, il est très très beau. On a un Gamciel en secret. Si on en avait deux, ce serait cool. Mais non, il n'y en a qu'un seul. Un petit Saryuja en US. J'ai bougé le truc. J'ai cru que c'était une ulti tellement qu'elle brillait. Colby, les super popos qui sont très belles. Elles sont pas aussi belles que des Rimp, mais elles sont très belles quand même, mine de rien. On a des A-Trainage juste en haut. Des Fissures Dimensionnelles. Celle-là, elle est en US, c'est certain. Des Upstart Goblins en SESL. Le playset de jugement, il fait plaisir. Clairement, le playset de jugement, bon, je l'ai déjà, mais il est incroyable. Et les strikes, c'est toujours aussi fort. Hein. Ici, on a une Artemis en US. Moi qui commence à jouer un petit peu Invoked, c'est une belle trouvaille, mine de rien. Le Macrocosmos, tout le monde déteste cette carte-là, mine de rien. Les Cosmiques en Ultra US. La base, la belle base Nécrovalet avec les 3 Nécrovalet LCYW US et les 3 Nécrovalet Throne US également. Incroyable, cette page-là, elle est incroyable. Wouah, les petites Nécroface là-haut. Oh, les Battle Feather en secret. Oh, ils sont trop beaux. Les Battle Feather en secret, ils sont incroyables. Hein. Les Couribandis également, hein, du coup, mais ils sont incroyables. Beaucoup de Danger en US, les Mossman tous en US. Franchement, c'est je sais que je me répète, mais la secret US, genre, regardez ça, le petit Jackal. Dites-moi. Putain, d'ailleurs, je suis pas sûr qu'ils soient en US en fait celui-là. Il n'y en a pas un en US sûr, tu vois. Bon, le Mossman, là, lui, il est en US, c'est sûr. Mais dites-moi, bah, c'est dommage parce qu'elle est sombre. Mais dites-moi que les secrets US comme ça, là, c'est pas incroyable. Ça rend pas très bien la caméra parce qu'elle est sombre. Mais c'est juste trop beau. Franchement, c'est juste trop beau. Il n'y a pas grand-chose à dire. Ici, on a 3 Solemn Strike Ultra US. Les Border Inspector. Putain, mais. Oh, moi, je suis fan. Hein. Franchement, là, ça rend trop bien. Regardez-moi cette beauté. Trop, trop beau. Bon, personne joue cette carte-là, mais actuellement. Mais c'est fort quand même, hein. C'est fort quand même. La grosse base, Subterror US. Je sais que beaucoup parmi vous... Il y en a une grosse partie qui aime le deck, une grosse partie qui déteste le deck. Bah écoutez, là, vous faites votre choix. Mais en tout cas, c'est très joli. Les Mystic Mine, c'est du français. C'est du français Dane, mais c'est toujours con. Je déteste cette carte-là. Les Terraforming, quelques petits staples. Je pense qu'on a passé le gros des cartes cool. On a un petit Denko Seka juste ici. Et c'est terminé. Bon, je pense que la page mémorable à se rappeler dans cette collection, bon, il y a celle-là, parce que les petits nibs ici, Secret US comme ça, ils sont incroyables. Ça c'est très cool. Et bon, il y avait ça. Et surtout, il y avait ça. Genre, le playset ici, il est incroyable. Et bien voilà, cette ouverture de collection est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu, le petit playset de Pot des Désirs en secret. Il me fait extrêmement plaisir, j'adore les secrets. Je me répète, j'en ai déjà parlé pendant toute la vidéo, mais les secrets rares, c'est vraiment les meilleures raretés. J'adore les ultis et les gosses, je les collectionne pour la collection, tout simplement, mais les secrets rares, vous l'avez vu dans mon deck profile, le Orcus, c'est vraiment ma Madeleine de Proust.
Madeleine de Proust, comme on dit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, le pouce, l'abonnement. J'espère que vous avez passé un bon moment. C'est vraiment ça le plus important, que vous allez bien et que voilà. Prenez soin de vous, faites nombreux duels et collection de cartes. Et surtout, à bientôt les potes. Allez, ciao!